Bonjour YouTube, bienvenue sur une nouvelle partie de Super Mario Bros. Wonder. Nous sommes dans le volcan, comment il s'appelle exactement? Le volcan végétal, attention. Et il reste encore pas mal de petites choses, mais nous sommes très proches de la fin, car nous avons obtenu toutes les graines royales, donc on peut techniquement aller voir Bowser au milieu, mais on n'a pas terminé le volcan à 100%, donc faut qu'on continue, ici. Voilà, c'est peut-être la dernière session. Si vous êtes sur Twitch à ce moment précis, le 19 novembre 2023, il est 15h18, heure française. Si vous êtes là maintenant, c'est peut-être la dernière session. Forteresse volante du volcan végétal. Et ça commence avec cet horrible niveau qui souvent sont avec l'auto-scrolling du niveau. Là, c'est horrible. Bonjour The Crissou. Les deux Crissous sont dans le chat, planquez-vous. Et vous me direz pour le son du jeu, comme d'habitude, si c'est trop, pas assez, etc. Et ne répondez pas, etc. Bref, vous avez capté. Double trouble. Et voilà, c'est de l'auto-scrolling. C'est détestable. Alors ça, c'est... étrange. Étrange. Pourquoi il a lâché? Parce que là, par exemple, là, je lâche pas du tout, là. Pourquoi il... Comment je lâche? Je sais pas. Eh bien, c'est super. C'est super. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps je lâche et de temps en temps je ne lâche pas la grosse barre. Ok, ça scrolle pas à l'infini, c'est bon. Enfin, quand même un peu. Quand même un petit peu. En fait, ça scrolle quand même à... Ok, ok. Quoi? Mais comment tu veux que j'aille chercher ça, là? Semaine de boulot avant le grand départ. C'est probablement mon dernier mois donc je vous fais de gros poutous brioche kiss. Merci Max. Oh merde. Plus qu'une semaine de boulot avant le grand départ. C'est vrai. Bon, ok, ça se passe très mal, ça se passe très mal. Le retour là comme ça sur ce niveau là, c'est pas simple. Laissez-moi le temps. C'est quoi? Déjà, faut qu'on récupère la pièce qui manque. Je sais même pas comment on la chope. Il n'y a pas eu de game de chauffe, non. Il y a eu une salade de fruits pour se chauffer. Et une salade de fruits chaude. Bah, bof, quoi. Je comprends pas comment je vais faire pour récupérer cette pièce. Ah ! Avec les bulles ? Enfin, je sais pas, c'est rare qu'ils me demandent de faire avec les bulles.
après peut-être qu'on est considéré comme étant dans les derniers niveaux, donc voilà. Salut Pierre. Salut Saint-Macaon. Salut Winos. Au pire, on la récupère en sautant dans le vide, mais bon. Laissons le temps, faisons disparaître la VOD. Nous ne dirons pas à YouTube que c'est la première game. Non, il n'y a pas de souci, on va pas recommencer. J'ai une idée, c'est vraiment on bloque. Attends, j'ai peut-être une idée aussi. Mais peut-être que... Est-ce que si je leur saute dessus, ils se transforment en carapace et on peut jeter sur la pièce? Si j'utilise pas la bulle, justement. Ouais. Ça doit être ça. Et merde, j'ai oublié de tirer sur la tige. Ok. C'est parce que je l'ai tué avec les bulles. Je savais pas qu'il se transformait. Allez, c'est parti. Wonder. Non, je déteste ce truc. Parce que pour lâcher la barre, il faut pas spécialement appuyer sur bas. En fait, je comprends même pas comment je lâche à chaque fois. Je comprends pas. Parce que là, c'est déjà... Putain. Ça se passe très bien, vraiment. Tu t'accroches. Non mais c'est mal foutu, je suis désolé, il y a un truc qui est mal foutu là. Si j'appuie sur bas... Là, ça descend pas. J'appuie sur bas, ça ne descend pas. Par contre, j'appuie à droite, en bas... Enfin genre, si le joystick est un petit peu vers le bas quand je veux aller à droite... Et ben là, il descend. Faut que j'utilise le D-pad. J'aime pas ce niveau. Je m'amuse pas.
Je suis pas content. Je suis pas content. Void. Je vais time out. Tu vas aller farmer sur Genshin là. Go farm là. Du coup, il est terminé à 100%. C'est bon. Accès à la chambre magmatique. Attention à la matière en fusion. Un pavé rôti. Parfait. Pour 15h30 là, petit pavé. Qui a faim ? Ah ouais, d'accord. Moi, je peux pas mâcher. Oh bah merde. Je viens de finir de manger mon burger raclette. Oula. On le passera au mixeur pour King. Comment ça se fait que tu peux pas mâcher là ? J'ai oublié un détail à propos... un détail dentaire ? Ah bah j'ai pas d'eau pour toi là, j'ai tout... Ah mais oui, il y a des trucs rabougris là. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu rendez-vous ortho hier et disons que la codéine reste trop faible. Bon courage. Moi je vais chez le dentiste vendredi prochain là. Il y a 2 semaines, le détartrage. Bah, a priori, ce sera ça, mais j'ai quand même peur d'avoir peut-être une petite carie qui se planque. Enfin, je sais pas. Il y a des jours où une petite douleur se fait ressentir. Où il va, lui ? Je vais prendre ta douleur. Oh, je déteste cette chanson. Enfin, c'est pas que je la déteste, mais elle me reste dans la tête. Et c'est tout le niveau en inversé, je comprends pas. Ah non, c'est une sortie. Ok. C'est vraiment une sortie secrète. Je vais prendre ta douleur.
En fait, je crois qu'elle m'est restée dans la tête à cause d'un vieux truc. Comment ça s'appelait là sur M6? C'était pas la Star Academy sur M6. C'était autre chose. Nouvelle Star. Ouais, je crois qu'à la Nouvelle Star, il y avait des auditions. Et quand ils arrivaient au théâtre, eh ben, ils avaient tous le même exercice. Et je crois qu'à un moment donné, il y avait cette chanson. Du coup, je l'ai entendue 15-20 fois parce qu'il y avait 15-20 candidats ou candidates. Et je crois que c'est à ce moment-là que ça s'est imprimé. Lève-toi, c'est décidé, je sais pas ce que c'est que cette chanson, mais bon. Finissons ça d'abord. Voilà, donc c'est très précis. C'est peut-être l'année où il y a eu Christophe Willem, que sais-je. Parce que j'ai pas regardé beaucoup de nouvelles stars. Hein. Du coup, il manque une pièce et la suite, quoi. Je peux nager dans les bulles. Graine de star, ça je m'en souviens pas, graine de star. Non, moi c'était la nouvelle star, là. Le truc où il y avait Marianne James et tout le monde là qui votait bleu ou rouge après là. Et quand ils votaient, ça faisait ouh. Ouais, il y a vraiment des détails particuliers qui me restent en tête. Ouh. Bonjour, Ikirio. Rose qui imite Marianne James, oui, bien sûr. L'été est vraiment là, hein. L'été est vraiment là. Je la vois faire. Latte. On est bien à 100%. C'est bon, c'est bon. J'irai bien au palais pour régler cette histoire, mais je crois que je n'y ferai pas long feu. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter cette chaleur. J'oubliais quelque chose pour vous, Altesse.
Yes! La graine gratos. Et après, c'est intermède truc. Intermède caverne ardente. Ah ouais, il y avait les trois arrosoirs parce que c'était le numéro 3 là. On a vu la dernière fois que... Je sais pas si on a fait les 4 d'ailleurs. À chaque fois quand c'était la station de contrôle 4, il y avait 4 arrosoirs. Alors, intermède. Mais tu veux pas de l'eau, toi ? Mais tiens ! Et on laisse tomber. Et donc... Wonderful. Ah. Voilà, le freeze frame là. Alors, la chambre magmatique. Arène de combat. Et le raccourci. Vas-y, ouvre le raccourci, toi. Magmatique. Qu'est-ce qu'une fleur à qui il arrive que des catastrophes? Tu vas prendre quoi? Allô, j'espère que tout le monde va bien. La fleur qui a pas de peau. Bonne journée, des bisous. Cœur. Cœur. Attends, quoi? Ah oui, est-ce qu'il y en a eu deux? Il y a eu que... Merci Manon. Merci beaucoup. Salut, je suis Rose maintenant. Ça fait super longtemps, ça va? J'ai eu mon premier salaire. C'est vous dire depuis combien de temps je suis pas passé. Bon livre, cœur. Merci Kuro, merci Manon, merci à vous deux. J'ai bugué parce que vous avez reçu en même temps et les deux messages terminent par un cœur et du coup je voyais le cœur du message de Kuro mais c'est pas ce que l'assisto avait dit. Du coup j'étais perturbé. Salut, beau jeune homme. Sérieux? Sérieux, tu vas pas crever, toi? Oula. C'est trop difficile. Enfin, c'est pas que c'est difficile, mais au niveau du timing, là... Oh non! Oh, je m'y suis très très mal pris. Hein. En plus, j'en ai laissé un à gauche, tu peux recommencer. Hein.
Tu peux recommencer. Mais je pense qu'on peut garder... Je sais pas. Je sais pas, j'allais dire peut-être garder la plante plus l'éléphant en stock. Enfin, la bulle. On va réessayer comme ça. Ah mais c'est des petits pop-corn, j'avais pas compris ce que c'était. Eh merde. Ah oh, bah j'ai plus la bulle. C'est déjà mort. Faut pas que tu perdes la bulle au premier là, sinon c'est dead. Ouais, c'est des petits pop-corn en fait. Salut Avocadro. Ok, pour la pile Duracell feu d'artifice là, faut pas que je la jette. Merde. C'est bon quand même là. On a fait 82. Oh, c'est bon. Ça va, c'était 100. On avait de la marge. C'est des séries de défis pour le 100%. Non, non, mais c'est un niveau. Un niveau comme un autre. Il y a plein de niveaux différents. T'as le niveau de base, tu vois, de Mario. Mais t'as des niveaux comme ça, voilà. T'en avais un par monde. Le niveau de combat comme ça, chronométré. Des fois, t'as des intermèdes, vraiment, c'est des mini-niveaux qui durent quelques secondes. Ça, c'est un niveau normal. Des fois, il faut chercher, enfin bref, tu vois, il y a plein de trucs différents. Enfin, plein, il y en a plusieurs. Tunnel de lave. Oh. Ok, ça va bien se passer. Je veux pas trop me faire spoil la fin, donc amusez-vous bien, ça marche, belle choucroute. Les niveaux recherche, c'est les pires. Bah, le premier était pas fou, enfin compliqué. Après, je trouve que les autres, ça allait. Est-ce que je peux aller dans la lave? Pas du tout. Pas du tout, malgré l'étoile. Bon voyage. Ouais.
Oula. Et l'autre qui braille là. Ah, je l'aime trop la fleur, moi. Mais tu peux la désactiver, hein, si t'aimes pas, t'as le droit. Moi, j'aime bien. Bon, là, peut-être que... Oh, merde, il fallait peut-être lancer un truc. Regardez-moi cette belle sinusoïdale, là, hein. Ton cul la sinusoïdale. C'est rien. C'est pas grave, j'ai la pièce. Je suis mort. Non, c'est moi qui suis mort. Toi, t'es tranquille devant ton écran, là. F2X qui nous apprend qu'aide là. C'est trop grave. J'ai fait un bac S, attention, je connais F2X. Attention. J'en sais rien du tout. F2X, normalement, c'est Piou. Il me semble. C'est pas ça? Ou alors... Oh, j'en sais rien, écoutez, c'était il y a plus de 15 ans. Oula, attends, ça va vite, ça. Calme-toi. Oula, on est plus sur F2X, là. C'est bon. Non, c'est pas Pew. Alors, c'est... C'est comme ça? C'est comme ça, là? Attends, ce serait pas comme ça, F2X, là? Ok. F2X fait Pew et F'2X il fait... Je vais m'étouffer. C'est bon, c'est à 100%. Moi je connais Free to Play. Mais bref. FDP, c'est FDP ça. Cimetière des dragons. F2X et FDP. Fred Port. Et d'ailleurs, ça veut dire... Fais attention qu'il m'a dit. Ça veut dire quoi, DA? Destin alambiqué, j'aime beaucoup. Direction assistée. Dis donc, citernichon, là. Je reconnais ce pseudo.
On sent que certains ont vu Dame Dame. Oui, c'est parce que chez elle, voilà, il y avait cette blague. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit... Dilatation anale, c'est pas ce qu'elle a dit? Ou c'est peut-être pas elle, hein? Je sais plus. Démasqué. Désolé, je voulais pas t'afficher. C'était elle, c'est elle qui a dit ça. Dora Damer, dinosaure argentin, direction artistique. Bon, il y en a... T'as même pas dit direction, t'as dit direct, ouin. Tu comptes réagir aux awards en live? Je sais même pas quand est-ce que c'est, mais non, je pense pas, ça m'intéresse pas vraiment. Ça m'intéresse pas. Je regarderai, tu vois, j'ai même pas voté ou je sais, enfin je sais pas, ça m'intéresse pas. J'ai ni point positif ni négatif, genre je suis neutre. Pays, pas intéressé. La daronne amère, ouais. C'est quand? Oh, il va pas continuer lui! Le 7. Un drôle de fossile. Oh. Comme il est beau. Par contre, il y avait un autre... Il y avait un autre drapeau, il va falloir refaire le niveau. À moins qu'il nous ramène à gauche. Ah! Oh merde! Oups. Drôle de sourcil. D'ailleurs, l'Eyes of P n'a vraiment pas de canche dans ces catégories. Il est nominé, mais face à des concurrents assez qualitatifs. Merde. Le Saint-Dragon hot dog. Oui, il y a un petit côté ketchup sur la grosse saucisse, effectivement. Une œuvre d'art que j'appellerais ketchup sur saucisse de Strasbourg. Alors, il y a peut-être pas de sortie secrète, hein. Peut-être que si. Ah, et du coup, il est redevenu fossile. Il me semble qu'il y avait peut-être la pièce en haut à gauche, là. Il va falloir refaire, de toute façon. Rebonjour, ouais, donc non, pas forcément de sortie secrète. Et je peux pas aller à droite.
Je pense que la pièce était sur le Dragon Sous 6. Il a déjà été annoncé un DLC plus confirmation d'une suite avec le lore du magicien d'Oz. Par contre, j'adore la DA, la fameuse, de Lies of P. Cimetière de dragon. Ah non, mais j'ai tout en fait. En fait, j'ai tout. Voilà, voilà, direction artistique du jeu, c'est totalement mon style. Bot Turbo 2, défi badge. Donc là, je cours automatiquement. Hein. Je sais plus comment on fait. Qu'est-ce que... Je sais plus, j'ai pas lu. Écoutez. Ah oui, si, je sais. Je sais. Voilà, c'est parce qu'il court un petit peu dans le vide. Et je saute comme un idiot. Je vous jure que je sais comment on joue. Non. Je panique, moi. Je vois un trou, je saute. J'ai des pensées perverses. Ah, tu vois, j'ai encore sauté. Ah, c'est horrible. C'est horrible, ça va contre toutes les logiques. C'est horrible. Je vais pas sauter. Ah bah là, c'est trop tard. Faut recommencer. Non, j'ai sauté. Mais j'aurais envie de tout brûler, en fait. Mais non. Continue comme ça. Plus vite, plus vite. J'arrive pas du tout ce badge. Hein. Tu as l'air de maîtriser les effets de ce badge. Pas du tout. Il est complètement débile, lui. Il a pas du tout regardé ce que je viens de faire. Badge expert invisibilité 2.
Ah, mais on sait comment tricher sur l'invisibilité. Chaque fin de niveau, il y a le bruitage de la Switch. Ils aiment bien leur placer partout, ça. Salut Eden. Je rattrape encore la dernière VOD Twitch, donc je passe juste dire coucou et j'espère que tout le monde va bien. Eh bien, écoute, on fait ce qu'on peut. Ok, on triche. On triche avec les mottes. On triche en souriant, finalement. J'arrête. Technique frauduleuse. Sourire, c'est tricher. Facile votre jeu. Bye bye. Bonjour Libamo. Ça va plutôt ok aujourd'hui, on est dans la moyenne. Ressort. C'est que des défis badges là qui nous restent. Ouais, toujours le volcan. J'ai le premier saut qui compte le plus. Ouais, le premier saut, très beau premier saut. Hein. Heureusement qu'on perd pas de vie, hein. Trop loin, trop vite, trop fort. Petit rattrapage. Non, les badges, ils sont pas très très utiles, hein. C'est plutôt pour te faciliter la vie si t'as envie. Encore qu'il y en a, c'est plus des difficultés qu'autre chose, mais... Tu peux faire tout le jeu sans utiliser de badge, en fait. Les niveaux classiques. Ouais, c'est pas hyper pertinent, je suis d'accord. Prodigieux!
Ouais, c'est ça, tu ne vois pas faire les niveaux avec le ressort comme ça. Donc c'est juste pour des défis. Pour les défis, c'est ok, enfin, c'est marrant qu'il y en ait. Pourquoi les équiper en game après, je sais pas. Peut-être pour rajouter de la difficulté, genre tu te dis, bah ok, bah maintenant on va faire une run avec que ce badge-là. Tu vas bien galérer. Félicitations, vous avez trouvé toutes les graines prodiges du volcan. Monde spécial. Il y a peut-être des speedruns où les gens le font en invisible tout le long, quoi. Alors, volcan végétal spécial, la pierre qui roule. Le seul moment où t'as vraiment besoin de changer de badge, c'est vers le début du jeu, avec le niveau sous-marin. Oui, le truc du dauphin. Effectivement, là, c'était quand même vachement mieux d'avoir le badge. Bonne chance. Bon, on va y aller, Mario, hein. Merci. J'ai la pièce. Mais non, c'est quoi ça? C'est mal conçu. Bonne chance. Allez, allez. Plus vite, plus vite. Ah ah. J'ai une astuce, mais maintenant faut l'exécuter mieux. Oh! Bonne chance. Ne pas faire recommencer, merci de me le rappeler. C'est vrai ça, sinon je vais perdre la pièce. Ah, c'était peut-être un peu trop tôt. Tout va bien. Je garde calme. Non! Je garde pas du tout calme! Oh putain!
Ben oui, mais... Tu peux pas aller chercher la pièce et continuer, là. Bonne chance. Ne pas faire recommencer. Allez. Plus vite. Bonne chance. Mais quoi? Merde, je suis pas allé au bon endroit. Je trouve que ça apparaît plusieurs fois, ce genre de difficulté où t'as pas le petit niveau comme ça. T'as des petits niveaux comme ça où tu peux pas le réussir d'un coup. Pour le coup, je trouve pas... C'est peut-être la première fois où je le ressens vraiment. Peut-être que les autres fois, j'ai pas fait gaffe. Les autres fois, j'ai l'impression que si tu maîtrises le niveau, tu peux, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment impossible. Putain, mais... Non, mais il faut de la vitesse, en plus. Bonne chance. Genre, le niveau... Niveau en rythme là. Bonne chance. Pour moi, celui-là, tu peux récupérer les pièces. Bon, Mario, on va y aller nous, hein. On est, enfin, le niveau, il est après en fait. Merci. Je crois pas qu'il y ait de badge pour le même, enfin, pour ne pas mourir dans le. Dans le vide. Parce que même avec Yoshi, je crois que tu meurs dans le vide. Bonne chance. Si, il y a un badge pour pas mourir dans le vide. Relis tes badges. Oh là ! Fais tes recherches. Fais tes recherches. Celui-là, je suis même pas sûr que ça marche avec la boule. Bonne chance. Pour une fois qu'on pouvait utiliser un badge, ça ne marche pas. Parce que t'es tombé dans le bide.
Ils ont dit dans un trou. Le badge, c'est ne pas faire recommencer. Ils ont dit un trou ou de la lave ou etc. Je sais même pas ce que je dois faire. Bonne chance. Allez, allez. Oui, il y a le dragon hot dog. Je crois qu'il y en a deux, faut que je saute sur le deuxième. Bien joué. Ça veut dire qu'on a terminé le monde spécial là? Enfin terminé, non, parce qu'il y avait... Justement, il fallait déverrouiller le dernier niveau. Ouais, c'est ça coûtait 16 graines. Il y a un truc là-haut. Déjà, on va pas y aller aujourd'hui, enfin pas maintenant parce que c'est la fin de la VOD pour YouTube, mais on va surtout aller voir Bowser avant d'aller au monde spécial. YouTube, des bisous à toi. Attends, j'achète un panneau. Attends YouTube, une seconde. Une seconde là. Une seconde. C'est bon. C'est pour toi, ouais. Ça m'a fait vraiment plaisir. Des bisous, YouTube. À bientôt.